santé publique, un nouveau CSB2 pour Arrivomam 2. La prise en charge médicale laissait à désirer dans la commune rurale d'Arrivomam 2. L'espoir renaît chez les 3000 habitants des 5 Fourquetins depuis la construction d'un nouveau CSB2 dans leur circonscription, dont de l'ONG Madagascar Development Fund est financé par l'un de ses partenaires, la famille Satine d'Angleterre. Cette nouvelle infrastructure comporte 11 salles, dont des bureaux, une pharmacie, des salles de soins et de vaccination, de prise en charge maternelle et infantile, une salle d'accouchement équipée, une salle d'hospitalisation dotée de lits médicaux ainsi que de latrines avec rampe d'accès aux personnes à mobilité réduite et en fauteuil roulant. La réduction du taux de mortalité ainsi que l'accès de tous les villageois à des services de santé de qualité grâce à une structure de proximité font partie des enjeux de ce nouveau CSB2. Dans le cadre du partenariat public-privé, le ministère de la Santé publique prend en charge le personnel médical et paramédical ainsi que l'approvisionnement en médicaments et intrants. Le CSB2 d'Avarabat a été inauguré le 6 novembre dernier par les représentants du ministère de la Santé, le député et le maire d'Arrivomam, ainsi que de Nicole Donaldson, directeur général de MDF.